Eh bien bonjour, c'est Agi, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Dragon Quest 3. Comme tu peux le voir, j'ai monté en niveau, hein, comme je l'avais dit, et de pas mal de level en plus. Comme ça, on sera beaucoup mieux pour la suite, sachant que les monstres mages ici font extrêmement mal. Donc on est au château de Baramos, il va falloir qu'on fasse ça. J'ai du pognon, mais j'avais pas d'équipement à acheter. La tristesse. Alors on va commencer par ici. Même si normalement la route logique par rapport à DQ11, si c'est le cas encore, ce serait de faire tout le tour. On va bien voir. Peut-être d'autres coffres ou des trucs du genre. Faut aller voir. Vas-y, en bas. Déjà, on doute. Quel chemin prendre. Et chose marrante, j'ai été voir... Inutile. J'ai été voir Théo dans son village de marchands. Et il a décidé de partir. Alors peut-être qu'il est retourné au carré de tulipes. J'en sais strictement rien. À vrai dire, je m'en fiche aussi. Un marchand. Baf. Trop peu d'intérêt. En tant que personne. Et en tant que personnage. Au niveau de la vocation. Enfin, j'aime pas quoi. J'aime pas, j'aime pas. Faudrait rendre des vocations beaucoup plus intéressantes que ça. Parce que très souvent, c'est les mêmes qui sont pris. Non, on va retourner en bas, mais aller à droite. Cette fois-ci. Une cellule. On va pouvoir ouvrir. Si on va le tuer. La critique et la fuite. Faut vraiment les cesser, hein, parce que sans cesser, c'est compliqué. Sans cesser, c'est cesser. Le tape deux fois, mais en soi, ouais, y a aussi la paralysie. Corritique maintenant. Non, ça peut passer quand même. Je peux soigner tout ceci, tous ces états d'âme. Je suis paralysé, donc je peux rien faire. Mais je renvoie toujours les dégâts. Hihihi. J'ai pas de multi-soin encore avec massage. Je sais pas à quel niveau on le débloque si on le débloque. Mais il le faudrait. Hein. Alors, on va s'occuper de ça. T'inquiète pas. Paralysie. Bim. Et Agita va soigner Stella. Ainsi que Ban. Je garde. L'MP de Shuko. Et une médaille. C'est à s'en douter. Hein. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Mais je pourrais même faire Evac. Mais bon. Ça, je retourne au début de ce donjon, de ce château. Non, on va y aller à pied, c'est pas très très loin. Event magie. Coup de fouet! Couchez Salmette! Couchez Minou! Et on va reprendre l'escalier en haut. Pour reprendre celui-là. Alors là, je suis atterri bah, juste au niveau de l'escalier là. Pas loin de la grande porte. Finalement, ça sert pas non plus plus que ça. Donc celui du bas c'est pareil. Ça va ramener en arrière. Donc ça on le savait. Hein. Fallait faire le tour. C'était logique. On a récupéré une mini médaille. Et ça je crache pas dessus. Et on m'a dit que c'était loin d'être fini encore. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça qui est bon avec ce jeu. Bien plus long que les autres. DQ1, DQ2 bien sûr. Alors, on va tenter notre chance par là. Ouais. Statue démoniaque. La porte ici qui amène nulle part, apparemment. À part si notre porte cachée, bah, je peux même pas y aller.
ok. C'est en dessous en fait. Étage inférieur. Donc là, pas trop le choix. J'aille à gauche. Oh, oh, oh. C'était là. Cacrac, Choco. Un petit. Ouch. T'as pas mieux. J'ai appris Zeng. Au niveau 24 en plus. J'ai Boom. J'ai appris aussi. Je pourrais faire ça. 9 PM ou des cuplots. Ainsi que rebond. Boom. Au critique, bien joué. Marche mieux. Statue vivante, ils mettent la pâtée. Hein. Ça tape dur. Ok. Bien sûr, c'était là. C'est le moment de tester notre Zeng. Oh, bien la vie! Yes! Ouais, faut que je fasse attention à mes MP vraiment. Parce que ça va partir vite avec tous ces gros combats. On va juste faire ça. Pas plus pour le moment. Alors, normalement, on a quelque chose pour ici. Safe passage. On subit plus rien. Soit on descend, soit on monte. Ici, c'est utile. Je vais peut-être monter aussi. Hein. Là, au niveau des coffres. Et monter, ça me ramène peut-être à cet escalier là qu'on voit. Qui va tout de suite au niveau du jardin. On va faire celui du bas. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas. Ok, bon bah. Ici, pas le choix. On va les taper. Ils sont stunned. Mais je vais récupérer l'XP, j'en ai besoin. Sinon j'aurais fui. Hein. Comme un lâche. Est-ce que j'ai bien fait de séparer ces attaques comme ça? Pas fou hein. Pas fou comme idée. C'est Choco qui est paralysé en plus, non? Yeah! Yeah. Tu peux te soigner toi-même? Ouais, non. Je pensais bien. Objet. C'est ça, non, pour la paralysie? Ouais. C'est bien cela. Qu'on aille récupérer ces... ces petits coffres là qui traînent. Ah. Finalement ça me mène ici. Retourne en arrière. Allez. On va monter du coup. C'était pas ici, c'était l'autre. On peut s'y perdre assez facilement. Ça m'a l'air bien ici. Serpent boréal. Coup critique. One shot. Eh ben, c'est du propre. 220 groupes. Rien du tout. Hey! Prayer Link. Excellent ça. Alors, toi, t'en as un. Du coup, lui. Ça va aller à Choco. Helpless Helm.
France, notre équipe. Héros principal et seulement héros principal à la place de l'écoflûte. Écoflûte, du coup, qu'on savait pas trop à quoi ça servait. Ah, c'est maudit! C'est maudit! Shit. Headsman Axe. Est-ce que c'est maudit ça aussi? T'en grougner. Personne ne peut équiper de toute façon. Aïe 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 aïe. Du coup ça... Je peux pas, faut que j'aille voir. Un prêtre. Bon, on connaît le chemin, comme ça au moins on va les soigner au pire. On fait ça. Je peux pas non plus. Je peux pas t'utiliser ici. Et là. Téléportation peut-être. Oui, c'est bon. Voilà. En plus, ban est monté niveau 27. Ok, ouais, par ici. Grand couloir. Encore avec un autre escalier. Oula. C'est pas Sage. Une mini médaille. Juste un cadavre. Alors, on va passer par là. Fougeratif, je pense, ouais. Oh! Oh! Paramos. Qui va soigner? Est-ce que j'aurais pas encore des herbes médicinales? Tiens, herbes médicinales. Pour Agita. Flemme d'utiliser un heal. Il faut quand même. Ok. Full. Et full. C'est parti! Oh, Agita, tu as finalement trouvé ton chemin jusqu'ici. Tu sais, bien sûr, être ici contre le légendaire Barmos est comme jeter ta propre vie. C'est une décision qui a été prise avec regret. Mais elle ne sera pas là pour longtemps. Il assume son devoir et tout, bref, j'ai du mal à traduire. Oh, il est tout sec. Il est tout sec. On va faire quoi? On tape avec les deux, hein. On tape avec ces deux-là. Et ici, on booste des cuplots. Ban. Et t'es un mage, toi, non? Qu'à protection quand même, hein. Cabeuf. Kaboum! Ok, ouais. Vache. Il a tapé qu'une fois. Putain, j'ai rebond, je pourrais lui renvoyer dans la tronche en fait. Hein. Même si je pourrais plus me soigner s'il me frappe. Donc c'est pas si fou que ça non plus. Agita, tu vas soigner. Tac. On va cabuff. J'ai pas quelque chose contre la magie. J'ai que dalle. Hein. J'ai que dalle. Là. La magie. Ouais, mais ça marchera pas contre lui. Ça marchera pas du tout. Non, mais on va faire soin partiel. Hein. Mid heal. Sur ban. Et l'attaque. Ok, 60, j'en vois. C'est toujours bon à savoir. Qui fout des mistres quand même.
Phil. Choco. Genre je fais Choco comme ça. Choco Buff. Et Bill Hill Agita. Oh, avec les flammes derrière là. Oh. Quoi que j'arrive à mettre aussi un décuplo sur Agita. Et s'empresse de frapper en plus. Hein. C'était là. Tu vas te défendre. Il. Attends, ce que j'ai soigné Stella, ça vaut pas le coup du coup. Hein. Sur soi-même. Défense. Non. Attaque, défense. Et remis il Choco, hein. Moi je la perds d'elle. Elle peut réanimer. Cafouissel. Méga flamme. Et banni les confus. Oh shit. Oh shit. C'est même pas ban, c'est Choco qui est confus. Oh. Aïe 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 aïe. Alors ce sort bang sur nous. Plus méga mangue. Et Blasto. T'as ça aussi toi. Toujours confuse. J'ai rien pour la confusion. J'ai rien du tout. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Je vais avoir que des morts là. Hein. Pas le choix. Hein. Cabuff en plus. Mais bon. Crac. Sur ban. Et elle le tue. Au revoir Stella. Ouais. Ouais, il est costaud lui. Hein. Ho ho. 4000 et 1000. Ouais, bah je vais prendre les points d'expérience, je pense. Hein. On continue. Et on y retourne. Vache. Ah ouais, s'il me rend confus tout ça, directement le combat peut être bien plus compliqué. Attends, c'est Barabos. On est reparti. C'est sans mentir que ça fait plusieurs fois que je le tente, mais en vain. Et dire qu'on avait XP sur cette zone, rien que les monstres, ils étaient extrêmement puissants. Mais Barabos, en tant que boss, il rigole pas, fait très très mal. Avec son trou dans le crâne là. Bah du coup, j'ai dû remonter en niveau. Hein. Pas mal de levels qui ont été pris. Toujours pas de sort de soi de groupe, mais ici j'ai mid heal et full heal avec Agita. Soin complet et soin partiel. Donc peut-être on pourra mieux gérer et puis en termes de stats aussi on a gagné un petit peu plus. On va tester. Alors à savoir qu'il fait toujours kaboom au premier tour et après il a des attaques abusées comme Fuddle qui rend confus un de nos personnages et donc après il nous frappe. Ce qui est bête, ce qui est bête et ce qui est extrêmement emmerdant. Ainsi que son truc de crachage de feu là, feu ardent. Abusé aussi, complètement pété. Qui nous fait extrêmement mal là. Alors la technique ça va être simple, c'est Agita et Choco qui vont être en soin. Ban qui va taper. Et Stella, défense parfaite, sacrifice j'ai envie de dire. Vas-y Ban, attaque. Donc il va faire kaboom. Est-ce que je mets pas plutôt en défense tout de suite? Ouais si, on va être en défense. En boost avec des cuplots et ici on va mettre accéléracle. Histoire de pouvoir soigner en priorité. Bon, Choco elle résiste à la magie. Ça va. Et faut avoir de la chance aussi. Hein. On peut taper une à deux fois par tour. Donc tout ceci rentre en jeu. Il faut de la luck. Full heal sur Choco. Ou elle se soigne elle-même. Non, je vais juste lui mettre un... Ouais, si, un full heal. Combien? 7 MP. Full heal. Ici, on frappe. Une petite méga protection supplémentaire. Je vais prendre. Et on va tenter de lui diminuer sa défense. Du coup, on se retrouve vraiment bien plus tard. Ça a pris du temps, tout cet XP. Ah, il est très fort, il est très fort. Et voilà. Torrent de flamme. Complètement craqué. Full heal Stella. Web. Défense. Et un mid heal sur Ban Choco. Je pense que tu vas résister.
On va dire que tu résistes. Petit 200 points de dégâts, ça fait plaisir. Hé, envoie de dégâts. Dans ta trombine. Full heal sur M. Toujours défense. Hein. Sans kikine pas. Si on a moyen, faut rediminuer sa défense. Cafrizzle. Ça va. Taper sur le bon. Est-ce qu'on gère encore le soin? C'était la 167. 68 MP. J'ai peut-être utilisé le Prayer Ring. Au cas où. Juste pour prévoir. Et un autre casa. Allez, faut que ça diminue. Ok, 50. Bon, j'imagine que je pourrais pas faire plus. 11 MP. Aïe. Et s'il utilise Kaboom plus Torrent Flamme. Il nous met la pâtée hein, quand même, il nous met la pâtée. Full heal. Ban. Choco Choco 130, 67, 190, 154. Ok, c'est pour toi. Ça va si tu fais du 200, 280. En 4 tours, c'est pratiquement du 1000. Ça peut le faire, ça se tente. Full heal. 117, 185. On va faire 1000 heal soi-même. Et toujours. Hein. Faut gérer le soin. Seul en ban. Va frapper tout le long. Seule technique que j'ai trouvée. Torrent flamme. Ça pique. Mais ça pique. Oh là 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 là. Full heal. Mets-toi en défense. Un petit Aouf. Et Choco. Donc si on soigne Stella. Il va manquer Ban. J'ai 76 PV. On met en défense. Hein. Pour soigner après. Ouais, voilà ça. Aïe. Tiens. Ok. Donc là c'est pas trop mal. Full heal ban. Web. Et ça ici. Si tu peux nous placer des coups critiques à freeze sur ban. Ça va sur un seul personnage. Du coup c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Heal. Ouais, je vais mettre un petit heal. Histoire 2. 184. Oh, les jets. Funaninina. Oh non. Pas ban. Celui qui frappe. Défense, défense, défense et défense. Ah. Choco a pris. On peut revenir à la normale. Non. C'est pas passé. Défense, défense. Je suis obligé de me soigner, hein. Sur Choco encore. C'est pas cool. Oh. S'il se soigne, pas dans tous les cas, elle le tuerait. Un full heal ici. Bon, sinon, j'ai droppé aussi une feuille de Drasil sur un des mages de la zone. Et ça, c'est plutôt bien. Mid heal, mid heal. Si je fais full heal, la défense va servir à rien. Accélérer sur Agita. Eh, j'ai renvoyé les dégâts sur lui aussi, c'est ça le problème. Kaboom. Arrête-toi là. Rien d'autre. Ok, pas des revenus à la normale. Ok. Full heal, tape. Défense. Mid.
Heureusement, on a boosté notre agilité. Ah, la confusion. Torrent de flammes. Tu résistes. 92. Attaque. Sur Agita. Tac. Maintiens ta défense. Il nous met Chirou quand même. Bon. Écoute, on l'a droppé, on va l'utiliser. On va pas tenter le Zing. C'est pas le plus fou. Et bien, il est sur Stella. Par contre, j'ai plus mon boost d'agilité. Parfait, yes! Excellent, excellent. On utilise Prayer Ring. Défense. 116. On va le remettre. J'en ai besoin. Ok. Ça, ça va pour Shuko. Qu'une seule action. Timid Heal. Ouais, comme ça. Et pense à toi. On va très cher Shuko. Pas affecté. Kaboum. Eh. Aïe. Mid Heal, Mid Heal. Soi-même. Tiens, ban. Bon, tu veux clapser ou pas? Comme ça. Et comme ça. C'est là le tien bon. Hein. D'ailleurs, j'ai dû changer aussi les accessoires. J'ai mis de la résilience. Ça pique tellement. Torrent de flammes. C'est pour moi, c'est pour moi. Sur Stella, bien joué. Ça c'est parfait. 33 MP. T'as full heal ici. C'est 92. Ce combat, oh oh. Très bien. Shuko, faut qu'elle tienne de toute façon, hein, parce que toujours rappel, si jamais. C'est juste un peu trop bien. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour le moment? Non. On va les mettre dans la confusion, ouais, ça va pas fonctionner. Kazap, de toute façon la défense est diminuée, je crois que c'est pas revenu à la normale. Hein. Peut-être que je la mets en défense. Ou je soigne Stella. Genre, on va faire autrement. Agita sa bête. Heal sur Stella. Et ici, mid heal, comme j'ai beaucoup plus de MP. Déjà, en 2, 3, 4 niveaux de plus, je m'en sors beaucoup mieux. Hein. Un petit mid. C'est quoi? Défense. Et on fait ça. Garde tes 18 MP qu'il te reste. Voilà, pour résister à ce genre de truc. Faites-moi abuser. Full heal. Duc. Eh ben. C'est quelques niveaux.
ont rendu le combat bien plus facile, si on peut dire ça comme ça. Niveau 31, niveau 29 pour Shuko. Cassizzle, ok. Tu étais un dur à cuire, hein. Comment as-tu... Maudit sois-tu, Ashita. Ce n'est pas la fin. Non, je ne peux pas laisser ça passer aussi facilement. Ok. Pourquoi je suis soigné? Pourquoi je suis soigné? Ashita? Ashita? Ashita. Ashita. Est-ce que tu peux m'entendre, Ashita? Ashita. Tu l'as finalement fait. Finalement fait. Maintenant, retourne d'où tu étais. Tu étais. Retourne auprès de ceux que tu aimes. Tu aimes. Ils t'attendent. Ils t'attendent. Ça fait plaisir. Oh. Oh, bien, bien, bien. Regardez, c'est qui. Ashita est de retour, tout le monde. Notre héros est de retour. Oui, hurrah, hurrah. Quelqu'un a retrouvé mon entier, non? Merci, Ashita. Merci beaucoup de la part de tout le monde. Pourquoi des fois j'arrive à bien traduire, des fois non? Oh là là. Après, il y a des phrases beaucoup plus simples que d'autres, hein, franchement. Et des tournures, surtout avec l'anglais, c'est forcément les tournures. Ah, bravo, ma chère Ashita, ma courageuse Ashita. Celle qui a vaincu l'archidémon Baramos. Vraiment, ça se voit que tu es la fille de ton père. Le royaume à ton salut. Serviteur, de la préparer. Il y a une fausse note là quelque part. Oula. Je devrais être désolé de m'introduire un peu comme ça. Je suis Zoma, maître des ténèbres, seigneur de l'outre-monde. Et ça fait longtemps que j'attends ceci. Le monde va aller dans la nuit, non? Maintenant souffrez! Votre souffrance va être mon plaisir! Eh ben dis donc. Que le désespoir vous alibile. Et je vous offrirai en sacrifice pour ma propre victoire. Pour ce que je suis, Zoma. Offrez vos âmes en tant que sacrifice. Ne résistez pas. Ok, mais pourquoi les gardes? Pourquoi pas nous? Hop, fin de l'aventure, le méchant a gagné. Pourquoi pas le roi? Oh non, c'est pas possible, pas maintenant. Alors qu'on était finalement en paix. Allez, c'est pas fini. Tu dois pas parler? Pourquoi je dois pas en parler? Oh non, je suis fatigué. Laisse-moi. Quelle brutalité! Alors, il y a juste les cigales là, les six pecnos. Passez nos coins. Ils sont pas réagi, il y a eu un gros tremblement, des éclairs et tout, mais. Personne n'a bougé le petit doigt. Ok, bah, on va s'en terminer ici. Ce fut très très long pour moi, franchement. Baramos. J'ai passé énormément de temps. Heureusement que tout ceci est caché et coupé. Stup suite. Flame Tang Boomerang. Alors, Kezako. Oh. Oh oh. Parfait. Va falloir que je remette du coup mes trucs qui mettent l'attaque ou autre.
C'est vraiment, j'ai mis ça, hein, de la résilience. Stella, j'ai mis aussi de la résilience. Pour être sûr d'avoir un peu plus de vitalité, de défense. Et tenir mieux les coups. Ok, bah écoute, on va s'en terminer ici. Il n'y a toujours pas de nouvelles vocations, on est d'accord. Hein. De toute façon, il faut des bouquins, mis à part l'autre qui sert strictement à rien. Ok, on est bien. Donc ouais, c'est loin d'être terminé. Il y a encore des choses à faire. Alors peut-être au niveau de la grosse crevasse qu'on avait vue là dans la grotte. Fort possible. Allez, je te fais des bisous. J'ai bien mérité mon repos. Peace au cœur. Et à la prochaine pour la suite de Dragon Quest 3. Salut!